Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour que je vous parle de la société Just Be Store. Voilà, ils se sont rapprochés de moi pour me demander si ça m'intéressait que je parle d'un kit de bijoux qui fabriquent et qui commercialisent, bien sûr. C'est un kit de bracelets avec des charmes. Voilà. Et donc, j'avais regardé d'abord sur leur site ce que c'était. Et c'est vrai que c'était pas mal. Donc, j'ai accepté. Je ne suis pas financée pour le faire. J'ai juste reçu le kit pour vous le montrer et je trouve que c'est sympa. Bon, ça va très vite, ça va très vite à faire. On peut se servir, changer le bracelet comme on veut très souvent, voilà. Et ça peut également être fait par les enfants sans aucun souci, c'est très facile. Donc, vraiment, je trouvais ça, cette idée vraiment sympa. Voilà. Alors, je vous montre d'abord leur petite carte. Voilà. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les liens. Le lien de leur site internet. Et également, je vous mettrai un lien qui vous permettra, si vous êtes intéressé, bien sûr, de bénéficier de 10% pour acheter ce kit. Voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, tant pis, hein. Je suis pas commissionnée hein, non plus si vous en achetez ou pas. Hein. Là-dessus, pas du tout. Hein. Donc, vous en achetez, c'est tant mieux pour eux. Vous en achetez pas, bah, tant pis. Hein. Ça, c'est pas mon souci. Donc voilà, donc la société s'appelle Just Be. Et donc voilà comment j'ai reçu. Donc il y avait la petite carte dedans. Voilà comment j'ai reçu. Voilà. Donc déjà emballé dans une petite boîte en plastique transparente. Comme ceci. Et voilà comment le kit est présenté. Donc déjà, je trouve que la présentation est vraiment nickel. Ce petit coffret est vraiment très joli. En plus, ben, on peut s'en resservir après. Hein. Alors là, sur les côtés, c'est en bois. Voilà. Et sur le dessus, c'est pareil. C'est comme du bois. Ouais. C'est un peu comme du bois. Voilà, je vous montre un peu plus près. Voilà. Et il y a un petit bouton en bois également pour fermer. Donc, je trouve vraiment sympa ce petit coffret pour ce kit. Donc, bien sûr, il s'ouvre comme ça. Voilà. Et tout est à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ce qu'on trouve dedans. Et après, je changerai le champ de la caméra pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on en trouve d'abord des perles comme ceci. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, il y en a une dizaine. Voilà. Donc, elles sont vraiment jolies, je trouve. Les couleurs pastel comme ça. Vous voyez. Sont vraiment belles. On a un paquet comme ceci. Alors là, c'est pareil, ce sont comme des grosses perles, mais avec des motifs. Hein. Donc, il y a des roses. Je vais vous les montrer après. Hein. Il y a des roses, il y a des papillons, il y a un petit lapin. Voilà. Donc, je vais vous les montrer en détail après. On a un sachet. Comme ceci. Et en plus, vous voyez, il y a quand même du choix. Hein. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Un sachet comme ceci, avec des charmes.
Voilà. Et on a donc trois bracelets dedans. Voilà. Donc ça, ce sont les bracelets. Et donc on en a trois. Donc on a la possibilité de faire trois bracelets avec le kit. Voilà. Et je vous dis, on peut vraiment les changer comme on veut. Un jour, quand vous en avez marre d'avoir les charmes, par exemple les ailes sur votre bracelet, ben vous l'enlevez et vous remettez autre chose. Voilà. Donc, je vais vous montrer alors, les charmes qu'il y a dedans. Alors, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 charmes. Voilà. Alors, une étoile. Là, une petite clé avec des petites ailes. Il y a une encre marine. Des petits cœurs entrelacés. Vous voyez, il y a les petits, les bélières comme ça, à chaque fois. Là, une fleur, une grosse marguerite, on va dire. Toujours avec les bélières. Hein. Un flocon de neige. Là, c'est quoi? Ah, une couronne. Ici. Oh, j'ai oublié d'éteindre le son de mon téléphone. Un petit dauphin. Une petite chaussure. Une petite horloge un peu style steampunk avec des rouages. Un petit ange. Toujours sur des bélières, hein, monté sur bélières. Là, des ailes d'ange. Voilà. Donc, il y en a une ajourée et une qui est pleine. Voilà. Ici, c'est quoi? Un love. Ça, c'est quoi? Une petite fée. Et là, une feuille. Oh, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est les charmes. Et les bélières, les perles un peu bélières, c'est pareil, il va y en avoir une quinzaine, je pense. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, là, il y en a 20. Donc, on a un petit château. Voilà. Donc, vous voyez. Avec, je vais essayer de vous montrer, hein. Voilà, donc ça c'est un peu, là c'est un peu des perles bélières, mais avec un motif, alors, je sais, voilà, le petit château, un petit cœur, là, j'espère que vous verrez bien, une fraise, ça c'est un, je pense un coquillage, oui, voilà, un petit hibou, des piqueurs entrelacés encore, une petite maison de plage. Un papillon.
Là, c'est une croix, comme ça, un X. Là, c'est quoi? C'est un poisson. Un petit poisson. ça. Ah, un petit lapin. Alors, j'essaie de bien tenir pour que vous voyez bien. Un petit lapin. Tout mignon. Un petit sac à main. Une couronne. Ah, j'arrive pas à tenir. Là, une clé de musique. Une étoile de mer. Un petit flocon de neige. Là, c'est des. Ah! Des petits personnages. Là, un petit bonhomme. Un petit cœur. Et pour finir, une petite fleur. Voilà. Ça, ce sont les perles bélières. Voilà. Et donc, bah, les perles, ça vous les avez vues. Donc ça, les perles sont comme ceci. Voilà. Oui. Donc là, il y en a, je vous ai dit, 4, 5, oui, il y en a une dizaine. Voilà, comme ceci. Donc, pour faire le bracelet, donc, je vais en déballer un. Donc, voilà les bracelets. Voilà ce que ça donne. Donc, en métal argenté, avec une petite chaînette, bah, si vous avez un gros poignet, hein. Voilà. Donc, et ça, c'est le maillon de fermeture. Donc, je vais vous descendre. Voilà. Et on va faire une petite. Alors, je vais regarder de quel côté. Alors, vous avez l'explication dedans, dans la carte, et là derrière aussi. Bon, là c'est pas écrit en français par contre, mais bon, il y a des images donc ça va. Donc ils disent dévisser, retirer le capuchon avec le fermoir mousqueton avant d'insérer les ornements. Donc ça s'ouvre de ce côté-ci, voyez. Donc cette maison, j'espère que ça va aller. De toute façon, je vais bientôt les couper parce que j'arrête pas de les casser. Alors, on va voir si ça. Si, oui, voilà, bah, tout simple, voyez. Et comme ça, après, je n'ai plus qu'à rentrer des ornements que je veux. On va sortir des perles. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Que ça aille ensemble, hein? On va se faire un bracelet love, peut-être. Voilà. Donc, on va peut-être passer une perle avant. Bon, du coup, vous voyez, bon, ça tient, ça n'ira pas plus loin hein, de l'autre côté. C'est bien fait exprès. J'avais mes petits cœurs comme ça. Voilà. Comme ça, voyez. Je vais peut-être repasser une perle.
Donc, vous pouvez en mettre beaucoup ou pas beaucoup, hein. Ça, c'est à votre choix. Donc là, je vais mettre des petits cœurs entrelacés. Voilà. On va remettre une petite perle. Alors, qu'est-ce que j'ai en perle bélière qui irait avec... avec les petits cœurs, bah, les petits personnages, les petits amoureux peut-être, ça ressemble à des amoureux. J'ai rien d'autre, hein? Non, c'est quoi? Ah, mais si, j'ai un cœur là encore. Voilà, je vais repasser un cœur. Voilà. Et je peux finir par une perle. Voilà. Donc je peux mettre que ça si je souhaite. Voilà. Ou alors je continue en mettant par exemple le love. Voilà. Love. Une perle. Et je vais finir par une perle bélière, bah, les petits personnages que j'avais vus tout à l'heure, par exemple. Voilà. Et bah, du coup, une dernière perle. Voilà. Voilà ce que ça me fait. Et donc, on referme. Avec le petit bouchon. Voilà. Donc voilà. Là, j'ai mon bracelet qui est terminé. Je vais essayer de me le mettre. Et bon, moi, j'ai toujours du mal à mettre les bracelets moi-même. Donc, je ne sais pas si je vais réussir. Toujours mon mari qui met mon bracelet. Mais bon. Non, je ne pense pas que je vais réussir toute seule à le mettre. Bon, c'est rien, tant pis. Donc voilà. Donc voilà le bracelet. Je vais le fermer comme ça, du coup. Hop, donc vous pouvez le fermer là, si vous avez un petit poignet. Ou à la chaînette. Voilà. Donc voilà ce que ça vous fait, hein, si vous voulez faire comme ça. Après, sinon, vous pouvez faire aussi un bracelet, je sais pas moi, juste en mettant un charme comme ça, juste en mettant le charme, ou en mettant moins de perles, vous faites un peu comme, puisque de toute façon, vous voyez, hop, ça ne me plaît plus. Hop, je le redémonte, j'enlève tout. Sans perdre les perles, voilà. Voilà. Et puis je le refais comme je veux. Donc, vous voyez, par exemple, si j'ai envie de faire que le cœur, je peux me faire un bracelet qu'avec le cœur. Voilà. On le fait un peu, ben, on se fait un bracelet suivant l'humeur du jour. Voilà. Après, on peut se faire des bracelets, je sais pas, qu'avec. Alors. Avec une perle. Alors, on va remettre ce charme-là, par exemple. Hop. Et une autre perle. Voilà. On peut se faire ça aussi. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est vraiment... je trouve ça rigolo. Voilà. C'est vraiment pas mal. Et donc, on remet son bouchon.
Donc, que ce soit pour adultes, pour ados, les ados, les enfants, je trouve ça pas mal. Voilà, regardez, pour les petites idées de cadeaux, je pense, de fin d'année, ça peut être une bonne idée. Voilà. Et donc, du coup, vous en avez trois de bracelets, donc vous pouvez vous en préparer plusieurs à l'avance. Donc, je trouve vraiment ça pas mal. Voilà. Allez, je vous remonte. J'essaie de pas vous faire tomber. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis, hein, c'est un kit donc de bracelet charme de la société Just Be. Donc, je vais vous mettre toutes les coordonnées en barre d'infos. Je vais vous mettre également le lien pour pouvoir bénéficier des 10% de réduction si ça vous intéresse. Et je vous rappelle que je n'ai aucune. Comment je vais dire? Je ne suis pas payée pour vous présenter ce kit. On m'a juste offert le kit. Voilà, on m'a offert le kit. On ne me paye pas pour vous le présenter. Et on ne me paye pas non plus si vous le commandez. Hein, je n'ai pas des... Comment on appelle ça? Je n'ai pas un pourcentage parce que vous avez commandé le bracelet. Donc ça, là-dessus, vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous commandez, c'est bien. Vous ne commandez pas, je m'en fous. Voilà, complètement. Mais enfin, bon, pour revenir sur ça, je trouve vraiment le concept vraiment pas mal. Voilà. Et je trouve la qualité pas mal aussi. Bon, après, c'est à voir à l'usage sur le bras pour le métal. Hein, parce que là, bon, je viens de le recevoir. Hein, donc, j'en sais rien à l'usage, comment va se comporter le métal. Mais bon, je trouve ça pas rigolo. Alors, vous voyez la petite chaînette. Hop, je vais vous la montrer. Vous voyez, au bout. Il y a comme une petite perle. Voilà. Un petit anneau avec une petite perle. Ça, je ne l'avais pas montré. Et je vous dis, bah, ça va pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Vraiment. Bon. Et ce que j'aime, par contre, c'est ça. C'est que ce soit présenté dans ce petit coffret. Que je trouve là, par contre, ça, je trouve ça tout l'ensemble vraiment très bien. Mais le petit coffret, je trouve ça vraiment très très bien de le présenter comme ça. Parce que bon, souvent, bah, les kits, on les reçoit dans un sachet, un petit sachet banal, et puis voilà, hein, débrouille-toi. Mais là, par contre, de présenter le kit dans un petit coffret comme ça, je trouve vraiment ça très sympa. Parce que bah, en plus, on peut s'en resservir. Pour mettre des bijoux hein, d'ailleurs dedans. Donc ça c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous ai présenté donc ce petit kit. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et pardon. Et nous, on se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai préparé ma planche de carton pour couper mes cartons, hein, pour faire mes boîtes. Donc, j'ai préparé pour faire trois boîtes. Et donc, je vais vous faire le tuto d'une boîte. Je vais essayer aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est. Déjà, là, il est 15 h. Donc, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui. Mais on va... Ça va peut-être être un peu juste, mais bon, on va essayer. Et donc, voilà. Là, je vais aller vous monter très rapidement cette vidéo, vous la mettre en ligne. Et après, je bricole. Voilà. Je remercie encore les personnes qui m'ont demandé hier, bah, encore des nouvelles de Pépère. Pépère, hein, mon chien, je précise.
pas mon mari. il se remet tout doucement, c'est bien. Il mange, il sort plus souvent de son panier. Voilà, il retourne dehors pour faire son petit pipi. Donc ça va bien. Mais bon, il est toujours un peu chancelant, hein, mais ça c'est normal. Bah, de toute façon, hein, il a plus 20 ans. Hein, enfin, plus 20 ans. Il est. À l'âge humain, il n'a plus 20 ans. Comment ? Il est déjà mieux qu'il n'était. Voilà. Donc, encore merci. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous.